Hey yo les djellis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et comme vous avez vu dans la miniature et dans le titre de cette vidéo, je vais venir compléter les deck profiles des personnages de Yugi saison 1. Et cette semaine, on regarde le deck de Kaiba. Alors j'ai galéré à faire le deck de Kaiba pour deux raisons. D'une part, il y a beaucoup de cartes de Kaiba qui sont compliquées à trouver. Sagi est compliqué à trouver par exemple. L'ultime dragon blanc traîne pas les rues non plus. Et d'autre part, Kaiba ne fait pas tant de duels que ça pendant la saison 1. Du coup, c'est compliqué de faire un deck de 40 cartes avec que des cartes de Kaiba qui le jouent dans l'animé. Donc j'ai dû compléter un petit peu. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer juste ici ou ici. Je ne sais jamais de quel côté c'est. Pour aller voir la vidéo de Yugi saison 1, parce que je vais faire des références à cette vidéo pendant la vidéo, et c'est vrai que si vous l'avez pas vu, forcément il y a des choses que vous n'allez pas forcément bien comprendre. Bref, c'est parti, on passe sur la deuxième caméra et on va regarder un petit peu ce deck là ensemble. Donc le deck est comme ça. J'ai trouvé des sleeves assez sympas qui, je trouve, vont bien avec le deck de Kaiba. Je pense que j'achèterai des sleeves Kaiba Corpse d'ici quelques temps, parce que c'est les sleeves qui collent le mieux à Kaiba évidemment, hein. Mais ces sleeves là pour l'instant font assez bien le boulot. Donc pour commencer, évidemment, le petit playset de Dragon Blanc. Faut savoir que j'ai galéré à trouver déjà les trois cartes. J'en avais une dans ma collection quand j'ai commencé à faire ce deck-là. Et surtout, en plutôt bon état, celle-ci est en assez mauvais état. Elle est même pas en français. Celle-ci, par contre, elle est en parfait état, pratiquement. Et surtout, c'est un DDK, donc ça veut dire deck de structure de Kaiba. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir mettre cette carte-là dans ce deck-là. J'ai pas regardé les deux autres, DDK et SDK. Donc en fait, c'est les mêmes, c'est les trois éditions. Mais voilà, je suis content d'avoir cette carte-là dans cette édition-là. Et surtout avec cet artwork, puisque c'est l'artwork de Kaiba dans le deck. Donc, évidemment, trois premières cartes, c'est les dragons blancs. Ensuite, on a Sagi, le clown des ténèbres, dit bouffon des ténèbres, dans l'animé. Donc, c'est un magicien, 600-1500. C'est une carte qui est absolument sublime et qui, mine de rien, est pas facile du tout à trouver. Itotsu, le géant, 1200-1500, et c'est une bête guerrière. Ça fait partie des premiers monstres que Kaiba invoque contre Yugi dans l'anime. Le juge, évidemment, le juge, un sacrifice 2002 pour un monstre guerrier. C'est une carte qui est assez jolie, mine de rien. Spadassin Vengeur, un monstre à 2000, un sacrifice également. Le djinn, génie de la lampe, évidemment, on est obligé de le mettre dans ce deck là. Le buff de combat et le cavalier mystique. Pourquoi ces deux cartes? Alors, parce qu'il les invoque dans l'anime, et surtout parce que ça va avec une carte de l'extra deck du deck de Kaiba saison 1. Un assaillant des ténèbres, un Red Kaiser, je crois que c'est Kaiser le barbare dans l'anime. Kojikoshi, un monstre à 1500, Ogre de l'ombre noire, une bête guerrier à 1200, Terra le terrible, maître et expert, clown mystique, Titan noir de la terreur, Deyuman, Ryukishin le puissant, et on passe ensuite aux cartes à effet. Alors, je vais juste faire un petit point avec vous, parce que avant que vous le disiez dans les commentaires, je préfère le préciser dans la vidéo. Grosso modo, les cartes qui sont sûres dans le deck de Kaiba, il y a celle-ci, et à la fin, je sais qu'il y a Ryukishin qui est certain également. Voilà. Donc toutes ces cartes-là, Assaillant des Ténèbres, j'ai un doute, mais je suis pas certain. Toutes ces cartes-là, j'ai dû compléter en fait en utilisant les cartes qui étaient disponibles dans le premier deck de structure de Kaiba. Je me suis dit que Konami avait quand même pris des cartes qui correspondaient à Kaiba, donc autant les réutiliser. Sinon, j'arrivais pas à finir le deck, j'avais 22 cartes à tout casser, donc j'ai complété tout simplement. Donc ces cartes-là ne sont pas forcément des cartes qui apparaissent dans l'animé, mais c'est des cartes qui étaient dans le deck de structure de Kaiba au départ. Pour ce qui est des monstres à effet, on en a beaucoup plus que dans le deck de Yugi, puisqu'on commence avec le Seigneur des Dés. Donc c'est un monstre ultra connu, avec un effet totalement fumé. La lampe ancienne que Kaiba utilise contre Yugi dans le duel juste devant le château de Pegasus, ou au-dessus du château de Pegasus, je ne sais plus, qui combatte avec le djinn qu'on a vu tout à l'heure. Le maître des pièges, qui était une carte qui était disponible dans le deck de Kaiba, ainsi que le mur des illusions. Donc le deck de structure de Kaiba, c'est des cartes qui sont venues s'ajouter. Une polymérisation, on est obligé pour l'extra deck. Flûte d'invocation du dragon, pour aller avec le maître seigneur des dés tout à l'heure. Le petit monster reborn, le dark wall. Le stop défense, qui est une carte qui est utilisée par le clone de Kaiba lorsqu'il combat Joey, je crois. Donc c'est une carte qui est officiellement dans le deck de Kaiba. Exorcisme, pareil. Contrôle hypnotique, certain, c'est une carte que Kaiba utilise pendant l'anime également. Fissure, c'est une carte que j'ai tirée du deck de structure. Piège supprimé également. Fortification aussi. Énergie sombre. Alors, énergie sombre, il faut savoir que dans l'anime,
Kaiba utilise une carte sur sa gi qui s'appelle multiplicateur d'énergie sombre, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une carte qui n'existe pas dans le TCG ni dans l'OCG. Donc, je l'ai tout simplement remplacée par énergie sombre. Et ça m'a fait... J'ai eu envie de la mettre quand j'ai vu que dans le deck de structure, il l'avait mise en fait. Donc, c'est vrai que ça correspond plus ou moins. Ça n'a pas du tout le même effet puisque ça fait simplement gagner un monstre de type démon 300 d'attaque et de défense. C'est pas x3 comme on peut voir dans l'animé. Mais voilà, ça correspond pas mal. Donc, je l'ai mis dans le deck. Et ensuite, on passe au piège. Tac. Niveau des pièges, le virus broyeur de cartes, qui est une carte emblématique de Kaiba, qui fut très longtemps une carte surcotée parce qu'elle était sortie que dans un événement. Dites-moi dans les commentaires, je ne me rappelle plus lequel, mais elle était sortie dans un événement, un tournoi en fait, tout simplement, et elle était disponible qu'en une centaine d'exemplaires, un truc comme ça. Et du coup, ça faisait que cette carte-là était d'une part très très forte et d'autre part extrêmement prisée. Donc moi, j'en ai plein en commune maintenant puisque ça s'est démocratisé. Et donc évidemment, il y a un virus broyeur de cartes dans le deck de Kaiba. Un sortilège de l'ombre, dans l'animé, il s'appelle pas comme ça, mais c'est le même artwork, c'est plus ou moins le même effet, et il l'utilise en carte magie en fait, donc je l'ai mis, parce que finalement dans le TCG c'est une carte piège. L'annulation d'attaque, offrande suprême, enceinte du château, et ensuite c'est l'extra deck. Donc avant de commencer l'extra deck, je voudrais juste refaire un point sur ce deck là. On peut quand même constater que le deck de Kaiba possède des monstres sacrifice. Sans sacrifice 1800, sans sacrifice 1700, sans sacrifice 1600, 1200, 1500, 1200, 1500, 1300, 1300, et on n'a pas un monstre un peu plus fort, 1850 de défense. Par rapport au deck de Kaiba, par rapport au deck de Yugi, pardon, le deck de Kaiba est beaucoup plus fort. Je vous dis ça parce que j'ai fait des duels il n'y a pas très longtemps avec mon beau-frère, et j'ai pris le deck de Yugi, il a pris le deck de Kaiba, il m'a roulé dessus, style 4 fois de suite. Parce que le deck de Kaiba est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre quand on les joue avec les cartes de l'animé et qu'on voit que dans l'animé, Yugi gagne systématiquement grâce à l'âme des cartes. Mais en tout cas, quand tu prends les vraies cartes, et bah, c'est sûr que Kaiba a la raison d'avoir le seum parce que mine de rien, il le fume, Yugi, avec ce deck-là. Bref. On va maintenant passer à l'extra deck, la dernière partie du deck, il n'y a pas grand chose, il y a juste deux cartes. On a évidemment l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, qui est un secret rare, qui m'a été envoyé par la Malfâchée. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube, ou quelque part par là, ou une de ses vidéos. Ils vont pas mal de cartes, donc c'est vraiment super cool, et je l'ai eu pour pas grand chose, et elle est en super état. Et la deuxième carte, c'est tout simplement le cavalier enragé, qui va avec le buff de combat, et le cavalier mystique. Voilà. Donc voilà, on a franchement le petit playset de Dragon Blanc et l'ultime. On a le petit Sagi. Sagi qui est une carte que j'affectionne beaucoup. Je la trouve vraiment magnifique pour le coup. Et j'ai vraiment eu énormément de mal à la voir. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance de la trouver dans la vidéo que je vous mets juste ici. Où j'achète une grosse collection. Et au milieu de toutes ces cartes, il y a genre 3000 cartes, il y a un Sagi. Qui est posé au milieu, ben, j'étais très content parce que du coup ça m'a permis de compléter mon deck. Dans cette vidéo j'aurais dû récupérer un ultime qui n'était pas présent malheureusement. On s'est arrangé avec le vendeur, c'est pas un souci. Mais voilà, j'étais content parce que j'ai enfin pu terminer ce deck là. Donc évidemment, hop, on va recompter ensemble. Mais c'est un deck au format 40 cartes comme j'ai pu le faire sur les autres formats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Fail! Non, j'ai dû en louper une, mais c'est sûr qu'il y a 40 parce que je l'ai raconté avant de faire la vidéo, donc il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Voilà, j'espère que ce petit deck profile vous a plu. Moi en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à créer le deck, je suis content de l'avoir maintenant dans ma collection. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse des vidéos deck de Yugi contre deck de Kaiba. Je suis en train de taffer le deck de Joey pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le savez. Je taffe également le deck de Maï Valentine. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse des duels saison 1 avec les règles saison 1, donc pas de sacrifice. Voilà, ça peut être assez intéressant. Voilà, c'est vous qui décidez. Si ça vous plaît pas, on n'en fait pas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le partager avec nous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao.